Et bonjour à tous, Yachoum. Bienvenue dans cet épisode, je pense que c'est le numéro 76 d'Empire Paton Puzzle. Je commence un peu à perdre le fil, donc bon, si c'est pas ça, tant pis, le titre sera différent de l'annonce. Petite vidéo pour faire vite fait là mon tournoi raid. Pour une fois, j'arrive au vendredi. Je crois en plus que ma défense est pas trop dégueu. Voilà, B en défense, donc c'est pas trop mal. J'étais un peu attaqué, mais en vrai, je pourrais avoir été beaucoup plus attaqué que ça. Pour rappel, ma défense, c'est ça, hein. Donc une défense qui a pas été trop dégueu. Je pense que le fait qu'il n'y a pas de land dans ma défense, ça, c'est un peu handicapant pour les ennemis. Donc voilà. Bon, comme quoi, avec une défense sans soin, on peut s'en sortir, hein. Bon, après, je suis B, je suis pas A non plus, donc. Faut pas trop que je me la pète. Bon allez, on va donc. En fait, je suis sur ma dernière, mon dernier, ma dernière attaque. En gros, j'ai pas le droit à l'erreur. Alors là, il y a doublon rouge. En fait, j'aimerais bien mettre trois rouges quand même parce que le rouge est pas faible contre le rouge. Alors que que si je mets trop de bleu, le bleu est faible contre mes lindes d'or. Ouais. Bon, on va jouer 3 rouges. Alors j'aime bien mettre Soumol, hein. On va mettre Soumol, Wilbur, emblémé de préférence. Et Boltask. Et en bleu, on va mettre Sonia. Alors, est-ce que je pars avec deux soins? J'hésite en fait à faire un gros mono rouge bien sale. Parce que vraiment, il est très emblémé en face. J'ai fait pas mal de 3-2 et j'ai pas forcément été convaincu tout le temps par les 3-2. Là, vous avez vu, il a 4004 de puissance. C'est énorme. C'est quasiment une équipe de 5 étoiles. J'ai peur en fait de pas être assez fort en. De ne pas être assez fort en. Comment on appelle ça? Sans le mono. Donc là, je vais rajouter de la rapidité. Il a pas mal de buffs d'attaque, donc je vais prendre des debuffs d'attaque. Je vais prendre Scarlet. Je crois que je vais prendre une double Scarlet là. Et on va prier. Bon, ça se trouve, ça pourrait être la vidéo la plus courte de ma chaîne. Après avoir fait la vidéo la plus longue, pour ceux qui ne l'ont pas vu l'épisode dernier. Hein. Ça pourrait être la plus courte. Mais bah on espère que non, qu'on va avoir du puzzle. Pour l'instant, je me prononce pas. Je trouve que c'est assez horrible, mais je préfère pas être trop pessimiste. Là, en fait, par exemple, si j'ai trois tuiles rouges directes. Ouais, bon, non. Fuck. Ah, je suis obligé de faire du diamant, il faut que ça aille vite là. Oh, okay. Oh là là, il est radin en rouge le jeu. Il est radin en rouge, je trouve. Là, j'ai encore trois rouges. Heureusement que j'ai pris des rapides qui vont quand même pouvoir faire leur pouvoir. Mais c'est à peu près tout. Ah, là, je me prends Wilbur, donc ça va être très chiant. Non, ah, là, c'est chiant. Tiburtus va faire son pouvoir. Là, je réduis en fait leurs dégâts. Hein. C'est surtout ça l'intérêt de Scarlet. Là, on va pas essayer de faire des dégâts, on va essayer de réduire déjà, de se maintenir en vie. On va taper dans Wilbur puisque de toute façon il est déjà chargé donc. Oh. Ok, ça m'a pas tué Wilbur. Il y a de l'espoir. Sumel va faire mal. Est-ce qu'il va faire assez mal? C'est ça la vraie question. Je pense pas. Non, ça fait quand même des bons dégâts, mais c'est clairement loin d'être suffisant.
Surtout que lui, il a un Sumal en face aussi qui va me défoncer. Hein. Je crois qu'il a emblémé son Sumal. Travail. Ok. Bon là, on va craquer des tuiles, on va essayer de faire des combos, je sais pas. Voilà, par exemple. Oh là là! Magique. Là, j'étais en train dans ma tête de me dire, bon bah au final la vidéo, je crois que je vais même pas la poster. Parce que si c'est pour montrer ça, c'était pas très intéressant. Mais au final, ça s'est bien retourné. Je suis trop content. What the fuck? Ok, Sonia Tank. Je suis pas fan. Alors mon mono vert est bien. Mais je sais pas. En fait là, je suis en train de si vous voulez, dans mon cerveau, ça se passe comme ça. Au début de la semaine, je suis en mode, ok, il y a des défenses, souvent il y a des petites erreurs dans les défenses adverses, donc je suis en mode, bon, je vais jouer tranquillement en 3-2. Puis la semaine avance, et puis je commence à prendre quelques baffes en 3-2. Et il y a un moment, il y a un petit déclic où je me dis, ok, là je commence à rencontrer vraiment que des défenses ultra percutantes. Et du coup, j'ai énormément de mal à repartir en 3-2 en fait. Et c'est à ce moment-là que je me sens forcé de faire du mono. Après, là, il y a deux rouges. Ah non, mais ça, c'est fort. Hein. Je pense que ma défense est forte, là. On maintient en vie qui? On maintient en vie un Hansel et Buddy. Ouais, ça, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Double Hansel, c'est fort. Est-ce qu'elle meurt de ça? Ouais, vous voyez, même en 3 tuiles de mono, elle meurt pas. Donc en 3-2, là, c'est impossible de taper sans qu'elle fasse son pouvoir, la petite Sonia, là. Sur un tournoi où les adversaires n'arrêtent pas d'avoir des boosts dans tous les sens, c'est vraiment. Bon, après là, il y a quand même une petite erreur dans sa défense, c'est Ameona. Parce qu'Ameona en défense, c'est vraiment pas ouf. Alors, là, il faut que je réfléchisse. Je vais mettre les buffs de Brynhild. En fait, j'aurais dû mettre le buff de Brynhild sur Melandor. Et lui, j'aurais dû mettre Brynhild au milieu parce que au final, elle donne le même boost que Ancel. Là, j'ai pas très bien réfléchi. Voilà, ça cogne hein, déjà. Et là, ouais, là, j'ai fait une erreur. Il fallait que je réduise sa défense avant. Bon, on va réduire du coup la défense de ce côté-là. Et cogner un bon coup là. Ça va faire mal. Voilà, ça c'est bien. Et du coup, maintenant, on peut charger la mana. On peut se permettre même de charger la mana des deux côtés. Donc, on va faire des combinaisons qui occupent bien le terrain. Là, il prend 150. C'est pour ça que ça m'étonne en fait. La description de CS de Ancel inflige automatiquement 21% de dégâts à la cible. Moi, j'ai l'impression que c'est 21% des PV max de la cible. C'est une erreur de traduction. Parce que là, il a pris 100 de dégâts, genre. Il a pris 140 de dégâts, c'est ça, hein? C'est énorme, 140 de dégâts, c'est pas 21% de dégâts. Bref. Je sais pas si. Il faudrait que je regarde la carte en anglais en fait. Qu'est-ce qu'ils mettent en anglais? Là, je pense qu'elle meurt, elle. Ouais. C'est pas très robuste une Ameona en plus. Hein. Mais vraiment, c'est pas un héros qu'il y a à mettre en défense. Hein. Franchement. J'adore le héros, je suis un gros gros fan de Ameona, mais. Mais par contre, il y a des choses que je peux pas tolérer, quoi. Alors, on va faire ça. Pour l'instant, on va garder l'autre Ancel. Ça me permettra en fait de. Là, en fait, ce qui serait chiant, ce serait que Boltusk fasse trop son pouvoir. Est-ce que. Ouais, mais est-ce que là, ça le tue? Non, je crois que ça le tue pas. En fait, on va attendre que le debuff mana parte et on lui remettra un debuff mana. Bon. Après, si on tape pas dessus. Bon, voilà. Ouais, ça a failli tuer. Par contre, j'ai pas. Là, j'aimerais bien avoir des combinaisons à gauche.
Parce que du coup, Scarlet va faire son pouvoir, va réduire mes dégâts. Après, dans tous les cas, Boltosk va mourir tout seul, je pense. Voilà. Attendez, elle est où la combinaison là? Elle est là, putain. Ah, j'ai une combinaison par tour là, c'est pas très rigolo quand même. Ok. Vas-y, on va tout booster. Là, je pense qu'avec deux pouvoirs d'Ancel, ça meurt. Ah non, bah ça esquive, super. Bon, sachant que ça esquive que les dégâts directs, hein. Le voyou, ça n'esquive pas les dégâts, enfin pardon, les effets. Donc ça veut dire que là, dans tous les cas, sa manette est gelée, même si elle esquive le sort. Bon, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Alors là, il y a une Sonia costumée. En fait, je me rends compte que mon mono vert là est bien parce qu'il est rapide. Je vais juste changer là, comme je disais tout à l'heure, le trio central, histoire que tout le monde bénéficie en fait de la résistance au CS. Donc clairement, hein, pardon, clairement le. Attendez, je suis en train de refaire la même connerie là. Clairement, Brynhild, excellente, excellente vraiment sur ce tournoi. Je suis pas, enfin le héros comme je l'ai dit dans mes tops, hein, c'est pas un héros qui passe partout. Par contre, clairement en booster de bonus, c'est un bon héros. Et là, en plus, j'ai trois rapides qui se déclenchent. Ok, je peux vous assurer que si je perds ça, je serai très 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 déçu parce que là. Ça s'appelle un puzzle de compète où je m'y connais pas. Je vais quand même faire le petit. Non, je vais pas faire le diamant rouge, OSEF. J'ai hésité, mais non. Là, le problème, c'est que si je fais la tuile, je crois que ça le tue pas. Moi, je vais la faire quand même. Parce que ça me charge mes pouvoirs, donc. Bon, ok. Là, j'ai vraiment le puzzle avec moi, donc. Alors, je vais quand même me mettre la résistance, le soin par tour. On va mettre Brynhild pour augmenter les dégâts de tuiles de Mélanthor et Buddy. On réduit la défense. Alors là, qui va m'embêter? Tiburtus va m'embêter, donc c'est lui que j'ai envie de tuer là. Autre personne qui va m'embêter, c'est Sonia. Ça tombe bien en plus parce que c'est les deux flancs, donc c'est logique de leur bloquer leur mana à eux en priorité. Ok, donc. En fait, Tiburtus est mort là. Il faut qu'on considère que Tiburtus est mort. Sonia aussi est morte. Voilà. Ah merde, ça met la tête à cet endroit-là. C'est vrai, j'ai pas anticipé ça. J'ai un peu perdu bêtement un tour là, parce que du coup, Wilbur va bientôt faire sa CS. C'est un peu chiant. C'est pas si chiant que ça. C'est un peu chiant. C'est pas insurmontable. Je pense pas que Mélandor Tiburtus, enfin que Wilbur Tiburtus, non, Wilbur Mélandor, putain, décidément, peuvent réussir à gagner un raid tout seul. Mais si j'ai vraiment pas de puzzle comme ça jusqu'à la fin, ça. Alors là, on va se faire une combinaison. Là, j'ai juste besoin de déclencher mes rapides. Hein. Faut pas que je sois trop gourmand. Enfin, en plus, là, j'ai tout le monde qui se déclenche. Elle est vraiment, vraiment bien, cette équipe, j'adore. Ah, là, j'ai oublié Brynhild. Mais je vais garder Brynhild au cas où ça tourne un peu au vinaigre. Au cas où j'ai besoin d'un heal, plutôt au moins se garder mes héros en vie, sachant que j'ai déjà déclenché Mélandor. Bon, quand je vous dis que Ancel mérite d'être top 1, là, on a quand même une belle illustration. Hein, c'est ultra puissant. Hein. C'est ultra puissant. Allez, on redéclenche, on refait Belandor. Là, cette fois, j'ai des tuiles. Donc, je vais m'acharner sur le Mélandor là.
Et essayer de tuer. Ouais, j'aurais dû faire ça avant. Ouais, dans tous les cas, ça change rien. Moi, ça se passe plutôt bien. Allez, plus que deux raids et je vais jusqu'au bout du tournoi. C'est assez rare pour être souligné. Je continue avec cette équipe, je l'adore. Alors là, je vais déclencher un énorme combo, mais je pense que ça peut mener à quelque chose de bien. Je pensais que ce serait un plus énorme combo que ça, mais bon. Alors, j'en suis à 4 tuiles. 5, 6. 7, 8. J'ai mes rapides. Est-ce que... Ah merde, il charge. Ça, c'est chiant. Donc, là... Je vais quand même me payer le luxe de me prendre un petit renvoi de dégâts sur Cern, celle-là, parce que j'ai vraiment pas envie de Krygar face à sa CS. Et on va taper. Alors, on peut pas taper là, c'est un peu chiant. Ouais, on peut pas taper là, sinon j'aurais fait sur Scarlet. Bon, je vais temporiser. Je vais faire ça, tant pis si on prend un peu de dégâts. Voilà, et là, nickel, on a Mélindor. Là, on peut. Je pense que c'est Scarlet. Ouais, non. Non, c'est Tiburtus. Tiburtus. Toc, toc. Voilà. Ça se passe bien. Tant pis pour Scarlet. C'est vrai que Scarlet fait quand même pas beaucoup de dégâts. Hein, donc. Elle est énervante pour la réduction d'attaque, mais elle fait pas énormément de dégâts. Donc. C'est ok de la laisser faire sa CS. Bon, j'ai des bons puzzles. Hein. Très clairement, ce soir. Le jeu veut que je finisse le tournoi raid, là, c'est clair. Ok. Allez, dernière attaque. Dernière attaque. On peut pas garder cette équipe-là, je pense. C'est un peu du trolling de garder cette équipe-là. Il faudrait un mono bleu. Ah, mais mon mono bleu est pas bon. Non, je vais garder cette équipe-là, hein, je pense. En fait, c'est plus pour les CS. Les CS sont vraiment bien. J'ai un dispel, j'ai une baisse de... Enfin, elle est très complète cette équipe. Elle est vraiment très complète. Je vais voir si j'ai pas un autre héros que je pourrais mettre. Peut-être que ça vaut un Kaïd bon quand même. Parce qu'en fait, regardez, le problème de mon mono bleu, c'est que il se composerait de Kirill. Ah tiens, par contre, j'ai utilisé Capitaine de Carreau sur ce tournoi. Ah non, c'était sur l'event, pardon, c'est pas sur le tournoi. En fait, j'ai Triton qui est bien dans le tournoi, j'ai Kirill qui est bien dans le tournoi. Boril, j'aime pas trop l'utiliser en attaque. Sonia, Grimm. C'est tous des bons héros, mais ça a pas la même, la même robustesse en fait que ce que j'ai là, quoi. Parce que l'augmentation de défense contre les compétences spéciales, que ce soit des Ancel ou de Brynhilde, c'est un truc assez énorme. Et en plus, augmentation de défense de Mélindor. Donc je vais rester comme ça. Alors lui, il a Rigard costumé, mais il a choisi un Rigard normal. C'est assez bizarre. Il faudrait que je fasse gaffe parce que Rigard retire les effets d'Ancel. Bon, on y va. C'est vrai que c'est un peu couillu d'y aller alors qu'il y a un flanc qui est rouge. Mais là, je fais vraiment confiance au CS de mes personnages que je trouve assez cohérente et intéressante. On va se donner peut-être l'occasion de tuer Grimm. Grimm est pas très résistant, donc ouais, il meurt. Faire attention en fait, faut bien avoir en tête un petit peu au moins. Je connais pas par cœur les stats des personnages, mais j'en ai un ordre d'idée et je pense que ça m'aide beaucoup en raid. Alors lui, il est mort. On va se donner notre petit soin, j'aurais dû le faire avant Ancel. J'aurais dû aussi faire Buddy avant. Je joue pas très propre là, c'est assez triste. Et là, il faut bloquer la mana de Rigard. Parce que c'est Rigard. Ah putain, j'aurais dû garder mon autre Ancel. Bon, c'est pas grave. On a quand même fait des bons dégâts. On a fait un bon opening. Là, on a tué le tank et un arrière. C'est déjà assez bien. Mais là. Bon, c'est ok. En fait, le Rigard costumé aurait vraiment été plus embêtant. Je sais pas pourquoi il n'a pas utilisé le costume de Rigard.
Parce que dans ce tournoi, le costume de Rygar, il augmente de 48% l'attaque. Il y fait un 100 par niveau et du coup, il augmente l'attaque de. Alors, je vais faire ça pour voir l'indicateur. Là, j'ai trois effets. Elle donne, putain, elle donne 3... elle donne 60%. Pardon, je suis assez vulgaire ce soir, désolé. Elle donne 60% d'attaque, c'est vraiment fort. Lui, du coup, il est à 40% d'attaque, hein, Rygar. Donc c'est très fort hein, d'avoir autant d'utilitaires d'un coup sur ce type de tournoi. Donc Rygar costumé vraiment à privilégier par rapport à Rygar normal. Là on va bien pouvoir illustrer pourquoi Wilbur, caca, défense. Voilà, j'ai Mélandor costumé. Merci pour le partage de dégâts, c'est très 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 sympathique. Et maintenant je vais pouvoir m'en servir contre toi. Ah, j'oublie toujours de faire Buddy. Alors il a résisté, ben du coup on va retaper dedans. Voilà. Ça va. Je regarde au niveau de l'heure puisque j'ai des pizzas qui vont arriver. Voilà. Bon, en vrai, je vois pas un schéma de jeu où je gagne pas ce raid, de toute façon. Je suis peut-être un petit peu. C'est peut-être un peu bête de taper dedans autant là, depuis qu'il a plus le pouvoir d'Ancel. Bon, c'est pas très très grave. Alors, tac, tac. Tac, tac, tac. Voilà, bon bah je suis allé au bout du tournoi, ça fait plaisir. Donc top 1%, je pense que la défense va tenir jusqu'à demain. Je pense pas que je vais beaucoup me refaire attaquer dans tous les cas, donc je vais être soit B, soit C. Ce qui est plutôt honorable, je pense que ça va me maintenir dans le top 1%. Donc plutôt content, ça me permet de finir les batailles tournois du POV. Donc ça c'est assez cool. Donc je suis vraiment. Bah en fait, il faut plus que je fasse des défis quotidiens et c'est bon. Les invocations, je ne vais pas être obligé de les faire pour arriver à bout du pauvre. Donc je suis assez content là. Ouais. Et c'est sur une note contente que je vais vous laisser. Bonne soirée à tous et puis à la prochaine. Ciao.